Yo les potos, c'est RageGosh, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un petit gameplay assez sympathique. Vous avez sous les yeux une nucléaire au nunchaku. Alors je sais pas si je le prononce bien. Alors c'est un petit, une sorte de petite corde là, je sais pas, avec deux poignées où tu tapes avec ça. Je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas trop comment le décrire. Je sais que c'est japonais, je crois. Bah c'est Bini qui me l'a dit, s'il connaît bien. Et j'avais fait un petit pack opening hier avec en streamant sur le compte YouTube de la Rage. Et puis bah je l'ai eu, j'ai même eu le Banshee. Et du coup bah voilà, j'ai essayé ce matin 10 minutes de tenter le gameplay, enfin la nucléaire avec justement le nunchaku. Donc j'ai allumé la play et tout, première game que je fais avec. Voilà, bon bah nucléaire. Bon bien sûr voilà, on va dire que c'était pas une nucléaire on va dire assez correcte, je trouve. Dans le sens où on va dire qu'à un moment il s'est retrouvé tout seul, le gars en face. Et du coup j'ai enchaîné un quart des kills sur le mec. Et du coup forcément ça aide hein. Si le gars il est pas forcément super bon, forcément tu fais la moitié, enfin un quart des kills sur le mec. C'est vrai que ça aide. Après il y en a qui me diront aussi que j'étais groupe de 6. Donc voilà, je voulais pas avoir des alliés random, je voulais vraiment la taper en premier. Et voilà la taper en premier, je l'ai fait première game que j'ai tenté. Groupe de 6 franchement c'est un truc easy hein, je vous le dis. Elle a pas forcément de level. Là je vous propose le gameplay, là je me la pète pas. Je sais même pas si je vais mettre World First dans le titre et tout, tu vois. Là je suis pas le gars, tu vois, qui va se la péter. Moi j'ai fait la nuque au nunchaku. Non voilà, bref je me la pète pas du tout les potes hein, tu vois. Genre la nuque au nunchaku, je pense que même n'importe qui, tu vois, tu le mets groupe de 6. Tu le mets avec aussi le spécialiste écorcheur, parce que franchement il a fait mal ce spécialiste. Et tu mets contre si tout le monde rage quitte à part un mec, tu vois, et le mec il pue la merde. Forcément tu vois ça aide, groupe de 6 aussi. Donc voilà, je me vante pas d'avoir fait ce gameplay là. Franchement je pense que j'aurais pu vraiment me casser la tête à le faire si j'aurais été solo ou groupe de 3, tu vois. Parce que là j'étais vraiment aidé par les alliés, ils me mettaient full microstation et puis ils me laissaient les spawns. Après j'ai été aussi vraiment sauvé à des moments. J'ai laissé un allié vers moi pour pouvoir prendre les kills à longue distance au cas où je les avais pas. Et du coup ça a été soit Wheezy, soit un gars que je connaissais pas trop. D'ailleurs des fois il me bloquait avec la porte, ça me faisait rager. Parce que j'ai cru que j'allais crever à un moment parce qu'il m'avait bloqué avec la porte de Newton là en bas. Et du coup merci à tous les 5 personnes qui étaient avec moi. Donc je connais que Wheezy, après de nom je connais pas les autres. J'ai pas forcément regardé avant de faire mon commentary, mais voilà je vous fais tous une grosse dédicace. Donc voilà, vous vous reconnaîtrez de toute façon que vous êtes dans le gameplay de fond. Vous pouvez voir votre pseudo. En tout cas ça me fait vraiment plaisir. Et puis maintenant on va essayer de tenter la nucléaire avec l'exécuteur, qui est aussi une arme de corps à corps qui est sortie là pas si longtemps. Donc là mon mini-maker de la Neuwage qui a eu l'exécuteur. Donc soit je vais prendre son compte, ou soit Wheezy va prendre son compte, je sais pas. Qui c'est entre nous deux qui va tenter ce gameplay avec la nunchaku, l'exécuteur, qui est aussi une arme de corps à corps. Donc vous étonnez pas si j'ai réussi à faire ce gameplay là avec cette nouvelle arme de corps à corps si je suis pas avec mon compte. Vous inquiétez pas parce que j'ai pas eu aussi de chance que tout le monde. J'ai pas eu la Peacekeeper, j'ai eu le nunchaku, je me suis démerdé, j'ai fait la nuque avec. Et du coup j'aimerais bien voir la Peacekeeper parce que on va dire qu'une fois que les gens auront fait leur world record dessus et tout, tu vois c'est bien, mais moi je veux vraiment cette arme pour jouer avec parce qu'elle est vraiment tellement bien cette arme, elle est ultra bien cette arme, la Peacekeeper, c'est vraiment pour moi c'est. Elle vient de sortir mais je trouve déjà que c'est la meilleure arme du jeu et je sais pas si je juge un peu vite mais franchement elle est vraiment lourde. Et j'aimerais bien l'avoir juste pour le kiff, au moins pour pouvoir jouer avec. Pas forcément pour taper des nuques avec ou des gros gameplay, mais elle est trop kiffante à jouer, franchement je la veux trop. Et maintenant j'ai fait la nuque au nunchaku, je vais pas le reprendre jusqu'à Infinity War hein. De toute façon ce couteau je vais pas le toucher maintenant, je l'ai fait. Et du coup on va essayer d'avoir des nouvelles armes dans les colis. On va dire que j'ai usé un peu toutes mes clés de cryptage, du coup ça va être dur. Donc je vais essayer de vous demander si vous voulez bien vos comptes, si vous voulez bien me prêter vos comptes. Alors j'aimerais bien que vous alliez sur Twitter et que vous me tweetiez. Donc je vais mettre mon Twitter à l'écran là. Après si vous n'avez pas Twitter, vous passez par Skype, par des gens de la rage, j'en sais rien. Moi j'ai pas donné mon Skype, j'ai pas envie qu'on me dédose, j'en sais rien, tu vois. Et En tout cas si t'as kiffé mon gameplay, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et à partager la vidéo, ça me ferait vraiment super plaisir. Et puis en tout cas explose la barre de like franchement pour ce gameplay là. Même si t'es si t'es le gars du type groupe de 6, ou t'es le gars du type écorcheur, ou t'es le gars du type t'avais plus qu'un gars en face, c'était facile, on va dire que t'as raison. Moi je suis d'accord avec toi. Mais faut pas non plus direct pour ça mettre un dislike ou j'en sais rien, parce que ce gameplay je le poste, vous n'êtes pas obligé de le regarder, vous n'êtes pas obligé d'être en mode il n'est pas légit ou j'en sais rien. Moi je vous le dis clairement,
je vous le dis de ma propre bouche que voilà, je suis pas forcément le mec super fier d'avoir sorti de ces façons là ce gameplay. Donc voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie et puis que vous aurez kiffé le gameplay tout simplement. Et puis c'était Rajgoss, allez tchuss, peace.